Mais Peter, on ne peut pas laisser une chauve-souris vivre chez nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Rassure-toi, Loïs, je vais m'en charger. Ce sera du gâteau, comme pour mon agrandissement de pénis. J'aimerais qu'il me pende jusqu'aux genoux. Ils m'ont remonté les genoux. Bon, j'ai élaboré un super plan pour attraper cette chauve-souris. J'ai acheté ce petit hélicoptère télécommandé et j'ai scotché un pistolet dessus. Et je peux vous dire que ce truc est loin d'être facile à piloter. Peter, cette idée ne me semble pas... Décollage ! Par contre, je peux pas contrôler la détente de loin, alors j'ai mis un minuteur. Mais je sais plus combien de temps j'ai mis. Ah ! Oh, ma chauve-souris ! Ok, donc maintenant, elle a le flingue et tous les couteaux que je lui ai donnés. Quoi ? Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui en donner ? Ça devait rien changer, j'étais certain que le truc de l'hélico marcherait. Pour convaincre cette ville de se raviser sur les vaccins. Ouais, je suis avec toi. Dès que j'aurai fini de répandre la nouvelle sur le seul truc plus important. Les frères qui ont réalisé Matrix, ce sont des filles maintenant. C'est des gonzesses. Quoi, seulement un ? Non, c'est ça le truc. Je parle des deux. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Les frères qui ont réalisé Matrix, ce sont des filles maintenant. Peter, Brian a raison. On a eu tort sur toute la ligne. Il faut absolument qu'on aille à l'hôpital pour faire vacciner Stevie. Je pense que c'est un peu trop tard. J'ai légèrement détruit tous les vaccins de Kaog. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire aujourd'hui? Ah oui, faire une overdose chez moi. Je ferais mieux de rentrer, alors. Peter Griffin. Peter, j'ai deux mots à te dire. Vous êtes qui? Moi, je suis le vrai Père Noël. Oh, c'est super. Alors, mon premier vœu, ce serait d'en avoir 1000 autres. Yes! Peter, je ne suis pas un génie. Ok, alors mon premier vœu, c'est d'avoir un génie. Là encore, il te faudrait un génie. T'es vraiment saoul. Mais jugez pas, vous vivez dans une bouteille. C'est une lampe et je ne suis pas un génie. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait réciter une prière de Noël? Je vais te dire qui devrait dire sa prière. Le Père Noël. Il se moque de moi, mais moi je me venge. J'ai remplacé un de ces précieux petits rennes magiques par un renne classique qui ne sait pas voler. Détache-le et vite! Je crois que cette année, on aura les plus belles fêtes. Le dessert! Pour mettre fin à toute cette histoire. Je suis d'accord, Quagmire est en très mauvais état. Il est encore pire que moi après une journée sur la plage. J'ai engueulé le gamin de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, ça a toujours été un de mes rêves. Ça et accorder une guitare devant un public de concert. Elle était parfaitement accordée quand on me l'a donnée. C'est pas une décision facile. C'est un peu comme avec ma pastèque géante. Griffin, je voulais vous dire que... Super ce costume. Continuez. Je le savais. Dans la vie, je dois me faire plus confiance. T'assures trop en tant que proviseur. Tu le penses? Ouais. Et si tu dois diriger ce lycée, faut que tu saches que les élèves ont besoin de discipline. Surtout quand ils sont comme eux. Et leurs amis Jérémy et Bridget. Sans blague, ils ont besoin de discipline. Où puis-je trouver Jérémy et Bridget? Bah, j'en sais rien, en salle de perme. Ouais, je t'ai demandé de sortir avec moi, c'est tout. La fête est finie, bande de nazes boutonneux. Il va y avoir du changement ici. Et le meilleur moyen de vous montrer que je suis sérieux, c'est de casser un bureau avec une de ces battes. Parlera de ça lundi matin. Dites à ma femme que j'ai besoin d'aide et que je suis en position étoile de mer. Elle connaît, elle comprendra. En plus, il me doit un service. Tu te souviens quand il a dû s'absenter et que j'ai couvé ses œufs pour lui? Peter, c'est l'heure du déjeuner. Désolé, Loïs, mais je ne peux pas abandonner les œufs comme ça.
J'ai fait des burgers maison. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette mangouste. J'ai fait des burgers maison. Oui, j'ai entendu, tu radotes, Loïs. J'ai fait des burgers maison. La mangouste! Elles sont deux. Non, on n'a pas tout essayé. Mais c'est exactement ce qu'on va faire, Loïs. Être sur tous les fronts. On va tenter notre chance dans toutes les catégories des Emmy Awards. On va commencer par celle de la meilleure cascade. Je ne pense pas que cette catégorie existe. Pas de chance. Meilleur documentaire? Oui. Purée, papa a l'air dans tous ses états. Oui, et je l'avais pas vu aussi excité depuis la fois où il a découvert ce grand 8 à une seule boucle. Je me sens pas très bien. Waouh, là, la vue est impressionnante. Je sais, c'est dingue, non? Tu vois la formation rocheuse qui est là? On va voler pile à travers son centre. C'est comme enfiler du fil dans une aiguille. C'est hyper puissant. Ou alors contre-proposition, toi tu t'élances effectivement de cette falaise pendant que moi je redescends par là en chantant la mélodie du bonheur. Ou on peut juste rentrer et regarder la mélodie du bonheur. Je vois bien que tu es stressé, Peter, mais fais-moi confiance. C'est plus facile que ça en a l'air. Regarde-moi. Il est vraiment en train de voler. Juste quand je me dis qu'il pourrait pas être plus cool, voilà qu'il... Oh la vache! Oh putain de merde! Oh c'est pas vrai! C'est pas possible! Mais qu'est-ce que... Il reste presque plus rien de lui! Et je suis sûr que ce sera à moi d'identifier ce qui reste de son corps. C'est lui. Oh, le pauvre. On dirait un bol de soupe à la tomate. L'homme à côté de lui est mort dans un incendie. Il ressemble à un croque-monsieur. Oh, ensemble, ces deux pauvres âmes sont la combinaison parfaite pour un samedi pluvieux. Vous essayez toujours de réparer ce qui est cassé dans notre monde, on dirait. Tiens, c'est toi, Peter. On fera pas partie de ton équipe. Les gars, je dois former une équipe. Ok, on marche. Cool, on va pouvoir se serrer la main en mode dur à cuire. J'ai reçu un peu de ta transpi dans la bouche. Waouh! Vous voulez vraiment tenir le bar à ma place? Tu plaisantes, tenir un bar, c'est mon rêve. Ça et réveiller un coq le matin. Et profite bien de ton dimanche. Littéralement jamais dit sérieux comme ça. Et moi je t'ai jamais dit que je ne savais pas lancer un boomerang, mais c'est vrai. Tu vois, je te l'avais dit. Mais au moins, moi, j'ai pas un cancer comme ta copine. Ça suffit. Viens, Jess, on s'en va. Voilà notre QG, Brian. Cet endroit n'est fait que pour les mecs mariés comme toi et moi. Resto pour hommes mariés? Je l'avais encore jamais vu, c'est nouveau. Non, ça fait 30 ans que c'est ouvert, mais tu peux pas le voir tant que t'es pas un homme marié. Vas-y, retire ton alliance. Ben ça alors... L'alliance nous fait aussi porter des bermudas beaucoup trop grands avec une ceinture et des trousseaux de clés dans les poches qui font du bruit. Tu as raison. Est-ce que tu sais ce qu'elles ouvrent? Toutes sortes de cabanons. Par chez nous, on a un tas de cabanons. D'accord. T'en as plus d'un, tu veux dire? Ah ouais, ça peut toujours être utile. J'ai même un cabanon qui me sert à en ranger un autre. Ça parle cabanon par ici? Et comment? J'adore mes cabanons. Moi aussi. Top là, si t'aimes les cabanons. Cabanon! Je rêve où ils ont encadré le jogging de Tom Arnold. C'est bien ça, c'est le mur des héros des hommes mariés. Il y a vachement de mecs qui sont gros. Ah ben c'est normal, le poids réel d'un homme est de minimum 10 kilos de plus que ce qu'il en a l'air en général. Tu te rends compte de l'énergie qu'il faut pour rentrer tout ça? Maintenant tu peux enfin lâcher prise et te détendre. Souffle donc pour une fois. Souffle comme si tu n'avais plus jamais à attirer une jolie femme de toute ta vie. C'est fou ce que ça fait du bien, dis donc. Bon, c'est l'heure d'aller manger. Je suis affamé. Ravi de te rencontrer, affamé. Moi, c'est Brian. Il faut que tu me la rentres parce que c'est celle d'un de mes copains. En fait, on a échangé nos vestes sans faire exprès. Pas comme ce que font les jumeaux quand ils se font passer l'un pour l'autre. Ah, t'es vraiment chiant, Chris. Pourquoi tu mets toujours 3 heures à dire un mensonge? Attends, tu fumais la vapoteuse? Non, j'ai fumé une vraie cigarette en douce, comme toute mère frustrée qui se respecte. Mais t'es vraiment hypocrite, en fait. Au moins, c'est sain de vapoter. Arrête d'être bête 2 secondes. C'est tout aussi mauvais, sauf que t'as l'air d'un trou duc en plus. Non, au contraire, j'ai l'air trop cool. Oh,
Prends-la, vas-y. Mets-la dans ta bouche. Non mais j'hallucine, j'ai l'air d'un énorme trou-duc. Là, c'est rien, Chris. Ton secret sera bien gardé. Waouh, ce nouveau toit est encore plus surprenant que quand il se moque d'une célébrité en l'imitant dans le Saturday Night Live et que la vraie célébrité arrive discrètement après. Waouh, ils ont pas de pitié avec la célébrité. Ouais, t'imagines comme la célébrité pourrait être en colère? C'est vrai, quoi. Où qu'elle soit en ce moment, si elle regarde la télé, elle doit être... Ah oh, non, mais regarde ça, c'est la vraie célébrité qui vient d'arriver sur le plateau. Il le prend la main dans le sac et l'acteur du SNL se doute de rien. Oh, il va avoir des problèmes. Regarde comme la vraie célébrité a l'air en colère. Il croise les bras et il fronce les sourcils. Il vient de taper sur l'épaule de l'acteur du SNL. Non mais regarde comme l'acteur du SNL est surpris. Il s'est tellement fait avoir. Mais comment est-ce que c'est possible? C'est trop dingue. C'est pas mon mec. Je l'ai regardé à l'étage sur ma tablette. Je l'ai vu sur mon portable. J'avais le wifi dans l'avion. T'es sérieux? Oh papa, ce serait merveilleux. J'ai pas été aussi heureuse depuis le jour où j'ai commencé à surfer. Pour trouver une recette, c'est plus facile que d'aller à la bibliothèque. Oh, je vais taper gratin de poisson dans la barre de recherche. G-R... c'est quoi ça? La saisie prédictive propose gros cul qui fait du rodéo. Peter! Fouineuse, t'aurais jamais dû commencer à surfer, Loïs. Mais où est-ce que je suis? Ah non, j'ai atterri dans la mauvaise Corée. Écoutez, un peu comme vos missiles, je vais me mettre à frapper avec précision. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Écoutez, un peu comme vos missiles, je vais me mettre à frapper avec précision. Aïe, un oiseau du Nord a voulu manger mes noix. Ah, scène suivante, vite. Stevie, je suis très impressionnée. Je ne savais pas que tu faisais du patin. Eh bien, Tara, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur moi. Par exemple, je suis un bébé plein de surprises. Ça a marché? Oui, oui, mais t'es pas censé parler. Est-ce que tu m'accompagnerais sur la glace? Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Est-ce que tu m'accompagnerais sur la glace? Je me suis mordu, j'ai avalé un bout de langue. Oh mon pauvre, est-ce que ça va? Ne viens pas sur la glace, ça glisse trop. Je vais ramper, ne me regarde surtout pas. Alors le biathlon, c'est la combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. C'est ça. Ça n'a pas l'air difficile, je peux essayer? Je crois que c'est pas une bonne idée. L'épreuve commence bientôt. Meg, il est de mon devoir en tant que mauvais père de prouver que je peux faire tout ce que font mes enfants. D'accord. Très bien. C'est parti! Ok, je crois que je vois comment ça marche. Je voudrais un autographe sur la poitrine. Et toi, je veux te cracher un molar en plein visage. Moi, je voudrais un autographe sur les fesses. Et toi, je veux te cracher un molar en plein visage. Je peux avoir un autographe sur le fond, s'il te plaît? Comme tu veux, mais rends-moi service, évite de cracher sur mon pote. Dis, Brian, tu veux pas t'occuper de ton c*** plutôt? Aujourd'hui, nous avons un tout nouveau travail à vous confier, Peter. Nous voulons vous charger de la dégustation de nos nouvelles variétés de bières de saison qui vous seront envoyées sur ce convoyeur. Vous devrez ensuite les mettre sur ce plateau. Ça va, ça a l'air assez facile. En ce moment, nos chauffeurs doivent passer le test annuel de dépistage de drogue. Il vous faudra récupérer leurs échantillons d'urine qui vous seront également envoyés sur le convoyeur dans des gobelets d'une couleur similaire. Et nous vous demanderons de les mettre sur ce plateau-là. Vous pensez pas que ça posera... Convoyeur activé. Oh, à l'attaque! Citrouille, pas mal. Berk, piste de chauffeur. Vitesse du convoyeur augmentée. Oh, purée. Pomme cannelle, c'est pas mal. Piste à la Crystal Meth. Blé d'hiver. Piste de femme chauffeur. Vitesse du convoyeur maximale. Oh non, merde. Chauffeur, chauffeur. Oktoberfest, chauffeur. Potimarron, Berk. Chauffeur, chauffeur. J'espère sincèrement que c'était une soupe à l'asperge, celle-là. Euh.
Webster définit le mot « classe » comme un groupe d'étudiants se réunissant à une heure préétablie à des fins d'éducation. Angela était l'exemple parfait de la classe. Qui savait exciter le monde en un simple sourire? Angela. Qui savait transformer une journée inutile en une journée inoubliable? Angela. Alors comme ça, personne ne t'a dit que ce serait comme ça, la vie? Angela. Parfois, on a tous envie d'aller là où tout le monde nous connaît. Angela. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Angela. Je suis désolé, c'est dur pour moi, la mort. Mais au moins, Angela est morte en faisant ce qu'elle aimait, aller se baigner moins de 20 minutes après avoir mangé. C'est dangereux, les enfants. Écoutez votre maman. C'était ça, Angela. La vaillance, la spontanéité, l'honnêteté, tant avec elle-même qu'avec les gens qui faisaient partie de son entourage. Elle était pleine de grâce, de courage et d'une joie de vivre incomparable. Elle nous a peut-être quittés, mais sa voix restera jamais gravée sur nos DVD et dans nos plateformes, ainsi que des hologrammes de gentils petits droïdes. J'ai peut-être perdu une patronne, mais le ciel a gagné une princesse. Et je me suis trempé dans tes mains.